Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour souligner la sortie d'une nouvelle snapshot, la 24W03A, qui vient de sortir aujourd'hui, le 17 janvier 2024. Alors, je sais ce que je fais. Non, je vais sauvegarder et ouvrir. Alors, quelques éléments rapides. Cette nouvelle snapshot disponible donc dans les launchers, dans la mesure où vous avez fait, oula, ça lag quand même, les modifications au début de votre partie. Hein, j'ai vu sur un Reels que j'ai partagé sur la chaîne que certains ne savaient pas qu'on pouvait faire ça. Donc j'ai mis un lien vers le site de Minecraft France qui explique comment faire ça dans son launcher en Java. Donc, la nouvelle snapshot apporte quelques nouvelles modifications et j'espère qu'on va pouvoir aller visiter et visualiser ça tout de suite. Car ces nouvelles fonctionnalités, elles concernent le tatou et l'armure pour le loup. Ah ouais, ça commence à faire gros la sauvegarde là. Alors, on va aller faire un petit tour. Très rapide. Bah déjà, on va aller voir les loups et leur armure. Ils sont là. Bon, le chat, hop, tu peux venir aussi. Alors, les loups, hop là. Tac, tac. Voilà. On va les emmener avec nous. Et on va prendre la direction de l'élevage de Tatou. Pour voir si effectivement les modifications sont bien là. Allez, viens là toi. Hop là. On referme ici. Et go. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Go, ben non, pas par ici. On passe par là. Donc je disais, dans les modifications, la texture du collier a été modifié. Venez voir les animaux là, venez voir. Ouais, c'est pas flagrant. On verra ça quand on sera dans l'autre village. Donc une texture du collier qui a été ajustée, semble-t-il, de manière à être plus cohérente avec l'armure. Donc techniquement, quand le loup porte l'armure, son collier doit s'adapter un petit peu mieux. Hop, on passe par ici et par là. Et ah oui, bah non, je viens de voir la nouvelle modification pour les tatous et on va pas avoir la possibilité de le vérifier en direct, car en fait maintenant les tatous, en plus d'être présents dans les savanes, eh ben, on va les retrouver dans les Badlands, donc dans les biomes type Mesa. Et ça, bah, il faudrait qu'on aille par là-bas, très loin, pour le vérifier. Donc ça va pas être très intéressant. Enfin, si, mais potentiellement très long. Autre nouveauté qu'on va pouvoir visualiser directement dans le jeu, c'est le fait que les araignées, donc classiques et venimeuses, elles ont dorénavant peur des tatous, sauf bien entendu quand ils sont hop, comme ça en boule. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que ah mais non, je suis un peu stupide. Allez, on va laisser comme ça. Donc on va aller retrouver nos amis les tatous. Voilà. Et alors toi, ah d'ailleurs, je suis en train de me demander comment est-ce que je bah non, je peux pas lui enlever son armure. J'ai pas l'impression d'avoir des gros changements, mais ouais, si, c'est vrai que l'armure est plutôt bien collée, on va dire. Enfin, le collier est plutôt bien collé à l'armure. Bon, finalement, c'est pas le changement le plus flagrant. Donc, les araignées qui ont peur des tatous. On parle aussi d'un focus par défaut. Alors là, je comprends rien du tout à ce que je lis. Donc, c'est extraordinaire.
Lorsqu'on sort d'un menu, le focus est désormais toujours activé. Et que l'on navigue à l'aide de la touche Tab. Ouais, bah en fait, c'est parce que je le fais pas. Donc, je vois pas du tout ce que ça me rapporte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Toc, toc, toc. Zut, je me prends les pieds dans mon truc. Alors, hop, on reprend et je vous raconte la suite. Vous retrouverez ça donc dans le descriptif, hein, un lien vers Minecraft France et l'article qui parle de cette snapshot. Donc, hop, le brise qui dévie désormais tous les projectiles et qui sont déviés dans la direction du tireur. Bah, ça, c'est excellent. Alors, des brises, j'en ai eu un dans... Enfin, j'ai eu une maison du brise, donc l'emplacement... on l'a vu à quoi il ressemblait dans une de mes précédentes vidéos, mais pas dans cette partie-là. Donc pour l'instant, j'en ai pas retrouvé. Ça doit être sympa, mais j'ai bien entendu pas attaqué du tout le brise. Je suis même pas rentré entièrement à l'intérieur de sa maison. J'ai eu beaucoup trop peur. Et de dernière indication, donc dans la partie expérimentale, eh bien on a des villageois qui maintenant achètent les armures sans se préoccuper de leur durabilité ou de la dégradation de l'armure. Alors ça, je l'ai jamais vu. Et je lis ça en direct en me disant, tiens, il y a des villageois qui rachètent des armures, j'ai jamais vu. Donc je vais me pencher un petit peu là-dessus et j'essaierai de voir si on peut le visualiser en direct dans un prochain épisode. Voilà, bon ben, c'était un petit passage rapide, une petite vidéo rapide, tout ça pour voir nos amis les loups avec... j'aurais que je change de couleur peut-être. Tiens, on va essayer d'en mettre un jaune. Voilà, et vient là le vert. Ah non, le vert, je change pas, le rouge. Hop, voilà, le jaune qui s'adapte un petit peu mieux. Oui, ben voilà, on voit bien que c'est bien autour, effectivement. Bon, je vous laisse. C'était vraiment une vidéo très très rapide, avec juste ces éléments-là. Hein. Je vous dis à très vite, parce que y a du nouveau du côté du... Ouais, il y a du nouveau du côté du Nether. Je vous prépare... la nouvelle vidéo, mais j'ai déjà été faire ce que je considère comme une très 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 belle découverte. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. À très bientôt. Salut.